dans la tradition, quand on construisait un bâtiment, il fallait toujours mettre dans les fondations du bâtiment un secret. Et là, j'ai repris les archives de l'ancien conservatoire, donc qui étaient déplacées ici, et je les ai enfermées dans ce sous-sol. Donc c'était un peu l'esprit de tout ce qui s'était passé auparavant qui soutenait ce bâtiment nouveau. C'est aussi l'une de nos institutions les plus sûrement françaises, où se perpétue la vigueur d'un enseignement plus apprécié, comme il se doit à l'étranger que chez nous, où s'affrontent depuis toujours le culte du passé et le bouillonnement du devenir, les vertus solidement établies et l'esprit frondeur de nos jeunes gens. Il faisait froid, c'était sombre au mois de novembre, et le bâtiment était vraiment quand même très austère. Rien n'indiquait, à vrai dire, à première vue, que ce fût là un conservatoire. Les ombres illustres planent sur cette maison. Cherubini, Ambroise Thomas, Aubert, Gabriel Fauré en ont été directeurs. Berlioz, bibliothécaire. Massenet, Gounod, Bizet, Saint-Saëns, César Franck, Debussy et Ravel. C'était quelque chose qui était assez stressant et assez... il y avait ce gros bâtiment de pierre, mais avec ses grilles en fer dehors, là, c'était... ça ressemblait plus à une prison qu'à un conservatoire où on peut vraiment s'épanouir. Et à cette époque-là, on avait beaucoup l'impression que ça n'avait pas changé depuis Fauré. On aurait pu imaginer que c'était les mêmes sons, le même cadre. Le Conservatoire National de Musique et d'Art Dramatique est à Paris une très vieille bâtisse, ancien collège de jésuites, alignant rue de Madrid ses murs noircis par les ans et qui ressemble plus à une prison qu'au temple de Terpes, de Terpsichore et de Thalie. Tous les étudiants qui sont allés au conservatoire rue de Madrid ne se souviennent que d'une chose pour leur concours, c'est la salle du trac. C'était une pièce contre un mur, qui était froide en général, et on était parqués là-dedans. J'avais l'impression de ne plus savoir jouer quand j'entendais tous ces violoncellistes qui se chauffaient, et en général c'était toujours bien mieux que ce qu'on faisait soi-même, bien sûr. Les concours d'entrée sont strictement à huis clos. Derrière cette porte sévèrement gardée siège le jury tout-puissant, terreur des candidats, que venge d'ailleurs un supplice digne d'Octave Mirbeau, écouté des jours durant la Sonate Appassionata ou la scène de Camille et de Perdican, rabâché par trop de bonne volonté où le talent est une fleur rare. Bizarrement, je ne me souviens pas de la salle du trac à cette époque où j'étais au conservatoire, 84-88. Mais si tu ne te souviens pas de la salle du trac, c'est peut-être parce que tu n'avais pas le trac. Non, j'avais le trac, oui. On a tous eu le trac quand on est rentré dans la maison, quand on sortait aussi. Moi, l'année où je suis rentré, on était 284. Donc on ne passait pas tous le même jour, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et alors, ce qui est terrible dans cette salle du trac, c'est qu'il y avait un piano droit sur lequel on pouvait se chauffer avant de passer la double porte qui rentrait dans le salon Fauré. Et là, tous les pianistes se jetaient sur le piano pour jouer leur programme à fond la caisse. Donc c'était absolument épouvantable au niveau bruit et au niveau nerveux. Parce qu'au lieu d'avoir quelque chose un petit peu qui puisse apaiser un peu les esprits avant d'aller passer ce concours, on était dans une espèce de brouhaha et puis de trucs qui rendaient tout le monde à moitié fou, quoi. Sur scène, je voyais les bancs, les fauteuils, comme dans des loges, et puis il y avait les professeurs qui écoutaient les cours et qui étaient là. Et c'était très impressionnant. C'est tout ce dont je me souviens. Comment j'ai joué, aucun souvenir. Une fois qu'on passait cette porte, cette double porte, je me rappelle de la double porte parce que l'assistante de Pierre Sancan, qui avait été mon professeur jusqu'à mon entrée au conservatoire, pendant que je jouais pour le concours, elle était, dans le petit espace qui est entre les deux portes, avec l'oreille collée à la porte pour entendre ce que je faisais. Et ça, c'est une image qui m'est restée. On arrivait dans cette salle Fauré, et là, c'était le silence total. D'un seul coup, on avait l'impression de rentrer dans un caisson étanche où il n'y avait plus un bruit. C'était assez grand, cette salle. Donc, et si je me souviens bien, le piano était en hauteur, sur une espèce d'estrade. On était loin du jury. On était très seuls, en fait. Très seuls. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. La salle était extraordinairement décorée. Et pour ajouter à la un peu à la frayeur que ça nous causait tout de même. Il y avait ces deux immenses tableaux de la mythologie, et avec cette plaque qui était en dessous du tableau, offert au Conservatoire par Sa Majesté l'empereur Napoléon Ier. Plus de 500 postulants pour l'art dramatique, une dizaine de places. Il faut être dur. Et l'arrêt brutal vient meurtrir tant d'espoirs qui ont joué leur carrière sur 3 minutes d'un trac affreux. Il y avait ce qui était en bas et que déjà on appelait l'aquarium, parce que c'était une espèce de cage vitrée. Naturellement, les professeurs venaient là, signaient le registre, et donc on les voyait passer. L'entrée, le grand hall, était un poste d'observation extraordinaire où on voyait passer les grands professeurs de l'époque, c'est-à-dire Jean Doyen, je parle de pianiste, Jeanne-Marie Daré, comment dirais-je, Yvonne Lefébure. Et donc on était évidemment extraordinairement impressionnés de voir passer les professeurs. Ça, il y avait quelque chose de très, comment dirais-je, révérencieux. C'est-à-dire que c'était des grands maîtres et on les voyait enfin de près et dans l'ordinaire de leur vie, puisqu'ils entraient pour signer le registre de présence et prendre leur courrier. Les élèves de l'époque étaient plus gais, plus remuants, plus détendus. Ça leur arrivait, par exemple, comme nous avions des statues à chaque étage sur des socles, de nous les retourner, de nous les maquiller. Madame Le Soin était une des personnes de l'accueil, mais elle est surtout chargée de donner les clés aux professeurs. Et donc, elle s'était rendue incontournable. C'était un personnage. S'étant rendue incontournable, il fallait être aimé, Madame Le Soin, ce qui n'était pas difficile. C'était très haut, le hall, c'était très haut de plafond. Il y avait il y avait un immense escalier en bois qui montait dans les étages. Il y avait un ascenseur qui était réservé aux professeurs, mais pas aux élèves, bien évidemment. Nous, on montait à pied. On terminait à 1h moins le quart ou à 1h, mais toujours à la même heure, il me semble. Descendait certains jours Messiaen, avec tous, très lentement, avec tous ses élèves autour de lui. Et c'était très beau de voir ce spectacle. On va dire vraiment le maître qui était entouré de ses disciples. Moi, c'était la classe de Messiaen, et donc on était aussi dans les bons vieux étages, avec les bustes tout le long du couloir. Il n'y avait pas d'espace conviviaux, sauf la classe à laquelle on était affecté. Au conservatoire, Yvonne Lefébure entraîne sa nouvelle classe. Comme ça, ça. Voilà comment il faut entendre ça. Faut pas les bousculer comme ça. Ce qui compte, c'est le dernier accord. C'est ça qui donne la conclusion. Ré, la, ré. Faut faire plus large. Voilà, on le fait encore d'ici. Très bien travaillé. Oh non, ah, parce que c'est pas net, ça, pas du tout. Il y a trop de pédales. Il faut pas mettre, il faut mettre la pédale sur chaque. Oh. Moi, j'ai besoin personnellement d'avoir un piano, de temps en temps, de montrer, je ne sais pas, pour un doigté, une chose comme ça, mais il n'est pas question de jouer à la place de l'étudiant. Enfin. Et certains professeurs abusaient peut-être de ce type de fonctionnement. On savait quels étaient les enseignants vraiment qui avaient une forte personnalité, ce qui n'était pas forcément la chose la plus facile pour les élèves, parce que, par exemple, des gens comme Paul Tortelier au violoncelle ou Yvonne Lefébure en piano étaient d'immenses personnalités, des grands artistes, mais il fallait être soi-même assez solide pour exister à côté d'eux, c'est-à-dire... avoir un comportement, une mentalité, une attitude qui permettait de profiter de tout ce que ces grands maîtres pouvaient apporter sans se sentir complètement écrasé et éventuellement dévalorisé par quelqu'un d'un peu trop riche si on n'est pas soi-même sûr de soi. Nous voici dans la classe du 3e cycle de piano du Conservatoire où professe Pierre Sancan. C'est bien, Olivier, mais tu mets un peu trop de pédale. Alors, on perd le sentiment dans le fond orchestral, tu vois. Tu fais ça. C'est un seul instrument. Non, laisse pas déborder ta noire. Tagadam, pam. Voilà. Très bien. Cette phrase d'attente, ré, sol, sol. Je voudrais une attaque un petit peu pure, tu sais, pure et non pas, si tu veux, avec trop de sentiments un peu troubles. Il n'y a pas de trouble dans Beethoven, il n'y a pas de sensualité non plus. Ou alors cette sensualité, elle est intérieure. C'était le solfège spécialisé avec Madame Duru. Donc c'est le souvenir de moments de pratique du solfège, d'un vrai solfège, celui qui se pratiquait en chantant et en battant la mesure à côté du piano. Te balance pas comme ça, tu me fais mal au cœur. C'est une berceuse. Tu vas réveiller ta petite cousine. Fais-moi du charme. Oh, les enfants! Hubo était le premier grand musicien, mais ça, je l'ai tout de suite compris, que je rencontrais. Hugo avait les capacités d'un génie, mais il ne faisait pas court. C'est-à-dire qu'il adorait les enfants prodiges, et donc, comme j'étais un enfant prodige, c'est un peu, vous savez, comme Bousin dans Le fil à la patte. Il raconte des histoires cochonnes aux jeunes filles, et on lui dit « Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte !» Et il dit « Celles qui ne savent pas, elles ne comprennent pas, et celles qui savent déjà, ça ne leur apprend rien. » Et Hugo, c'était exactement ça. Il considérait que si on était un enfant prodige, on savait, donc il n'y avait rien à dire. Et ceux qui ne savaient pas, tant pis pour eux. Les cours d'orgue étaient des séances assez libres. À l'époque où j'étais au conservatoire, on était très peu, il y avait maximum 4 ou 5 élèves. Chacun jouait une œuvre, alors Marcel Dupré était là sur une chaise à côté de votre banc, il écoutait et puis il donnait un commentaire en général gentils, ça n'était jamais une leçon, vraiment. Il n'y avait pas de parcours esthétique dicté par le professeur. C'est ça qui est étrange. Alors, finalement, ça n'aboutissait qu'à l'exécution, si possible, parfaite du point de vue technique d'une œuvre, et puis rien de plus, parce que c'est à peine s'il parlait de questions de style, en fait, concernant cette œuvre. Il y avait peut-être le goût du secret à l'époque, je ne sais pas, c'est le doigté, par exemple. Quelquefois, il y avait même des professeurs qui mettaient un voile sur la main gauche pour ne pas qu'on voie le doigté, parce que c'était soi-disant miraculeux, un doigté. Je ne sais pas si c'est vraiment si miraculeux que ça, mais il y a eu une époque où André Navarra, qui était ton professeur, la grand-messe, avant de jouer quelque chose au professeur, il fallait noter tous les doigtés scrupuleusement sur la table. Ah, absolument. Et bon, on ne peut pas dire que ce soit, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour André Navarra, mais on ne peut pas dire que ce soit très pédagogique comme formule. Alors bien sûr, il disait, ils sont testés, les doigtés que j'ai marqués, je les ai testés en concert. Et il avait tout à fait raison. Mais bon, la morphologie de chacun est différente et tous les doigtés ne sont pas possibles à faire. Mais c'est vrai que c'était, voilà, on faisait ce que le maître disait, d'abord on l'appelait maître, et on faisait absolument ce qu'il disait, et scrupuleusement. En ce qui concerne les cours de tuba, on avait un phénomène comme prof. C'était M. Paul Bernard, et c'était un personnage truculent, qui était habillé assez, on va dire, opulent, qui était habillé toujours avec un costume 3 pièces. Les boutons suivaient le cours de la forme de sa personne, et puis voilà, on regardait toujours ces petits boutons. Donc le rituel en arrivait, il fallait signer, et puis il fallait dire « vous » au maître, « bonjour maître ». Et là, moi j'avais un problème parce que bon, j'étais poli, bien éduqué, mais maître, je ne pouvais pas dire maître. Ça me paraissait, je ne sais pas si c'est des relents de 1968, ou simplement, je me disais, maître de quoi? Enfin, je veux dire... Alors, pendant les années, j'ai fait 2 ans, j'ai trouvé 1000 astuces pour ne pas dire maître. Et donc, je faisais de mon mieux pour éviter, et puis lui... faisait son mieux pour accepter. Et tandis que la foule commence à se disperser, une folle nuit commence au quartier latin. L'UNEF et le SNESUP ont décidé d'occuper la Sorbonne. La révolution culturelle s'installe avec ses stands maoïs, ses slogans, ses orchestres, ses affiches. Les étudiants sont maîtres de la place, ils le seront pendant un mois de kermesse et de contestation permanente. Mai 68 pour nous, donc en pleine période très agitée, mais surtout au quartier latin, bien évidemment, et toutes les grandes écoles, comme on disait, en dehors du quartier latin, avaient quelques problèmes à vivre et à mettre en branle un phénomène, sinon révolutionnaire, du moins de contestation forte. Et donc ça s'est fait sur un coup de bluff, c'est-à-dire que moi j'ai un vague souvenir qu'on a dû un vendredi soir se réunir à une trentaine en disant qu'on mettait le conservatoire en grève dès le lendemain, un samedi, ce qui n'était pas très courageux étant donné qu'il n'y a plus personne, s'installant donc le samedi matin dans le hall du conservatoire, avec un banderole, le conservatoire est en grève, voilà, sans autre forme de procès, avoir un vague souvenir de voir Galois-Montbrun descendre sans sa cravate, donc ce qui était un signe d'une agitation certaine, et demandant ben, qu'est-ce qui se passe. Alors on était quelques-uns, la petite dizaine certainement vaillante sur le coin, voilà, maintenant vous remontez dans vos appartements, nous on prend en main le destin du bâtiment pendant, et donc ça a duré, je ne sais plus exactement combien, une quinzaine de jours, peut-être pas tellement plus, mais qui ont été donc des périodes où cet espace-là est devenu quand même l'espace d'une contestation. On était quand même installé dans la salle des concours, bien évidemment, on s'était installé là pour débattre. On occupait donc l'endroit essentiel, l'endroit où se jouent tous les destins. Le bâtiment principal, c'est ce célèbre collège des Jésuites, où Gabriel Fauré est venu en déménageant au début du siècle. Et c'est ce collège jésuite, dans toute sa sévérité, que vous avez là, côté jardin, n'est-ce pas? Puisque côté façade, c'est sur la rue de Madrid. Ça a été longtemps le seul bâtiment du Conservatoire supérieur, avant qu'on mette des annexes dans le jardin. Quand on a restauré pour en faire le Conservatoire de région de Paris dans les années 95, on a gardé, bien sûr, la façade, on l'a simplement bien nettoyée, et on a gardé tous les abords, avec notamment la différence de niveau qu'il y a entre les deux rues, puisque vous savez que dans la rue de Madrid, il y a un pont, il y a deux rues qui se passent l'une au-dessus de l'autre, et que l'autre accès du Conservatoire supérieur, de l'autre côté jardin, était la rue d'Édimbourg, qui est un étage au-dessus. Donc, tous ces escaliers en bas, qui vont du hall au côté jardin. C'est là où... tous les grands professeurs du Conservatoire ont fait leurs cours, depuis Louis Jouvet, qu'on connaît par le film, jusqu'à Olivier Messiaen ou tous les autres. Comme vous pouvez l'imaginer, les conditions acoustiques dans un collège de jésuites, c'était compliqué. On s'entendait de partout. Il y avait quand même quelques sas de temps en temps. Alors là où il y avait deux portes, c'était mieux, dans les grandes salles du deuxième, par exemple, là où était Messiaen. Là où il y a maintenant des appartements dans le jardin, les domaines privés, c'était la bibliothèque. Bon, c'était évidemment très à l'ancienne, les boiseries comme on peut imaginer. Une salle où on faisait les examens d'histoire de la musique. C'était le seul endroit du conservatoire où on pouvait plancher à 40, c'était une bibliothèque quand même. En 68, les étudiants ont demandé au ministère, ont eu des exigences. On a demandé à Marcel Landowski, qui était directeur de la musique, on a demandé d'avoir des studios d'études, on n'en avait pas, c'était quand même inouï, bon, aucun. Et puis, on n'avait pas de salle de concert non plus, depuis que Malraux avait donné l'ancien conservatoire, on faisait nos concerts, le plus souvent, enfin les grands concerts, aux comédiens, à l'usage exclusif des comédiens. On se retrouvait sans rien, c'était dramatique. Landowski a dit, on va faire les studios, j'ai assez d'argent pour ça, et la salle, j'ai pas, il faut construire un nouveau conservatoire. Alors, il y avait d'autres projets à l'époque. Donc on a construit, quand on a vu arriver en 70, 2 ans après, les studios en question, j'avoue qu'on a eu un choc. Parce qu'on a vu arriver une boîte de sardines à l'huile au-dessus de la bibliothèque. C'était argenté, crénelé, enfin comme une boîte de sardines à l'huile. Et il y avait 2 étages de studio, bien isolés. Dedans, on était très bien pour travailler. Hein. Mais alors, il fallait voir de loin, c'était absolument inouï. Bon, tout ça est disparu aujourd'hui, évidemment. À l'époque, il y avait cette cantine, déjà illustrée au temps de Louis Jouvet, vous savez, qui était gérée par l'association des anciens élèves. Alors, sa gestion associative permettait qu'elle soit d'abord pas mauvaise du tout, elle était bien gérée, la cuisine était pas mal, les professeurs avaient une table à part. À un moment donné, il y avait Pierre Boulez qui venait diriger en 89 l'orchestre du conservatoire, on avait toujours cette vieille cantine. Et Pierre Boulez tenait absolument à venir à la cantine du conservatoire. En 68, la cantine a été gérée par les étudiants en grève qui allaient eux-mêmes chercher ce qu'il fallait au hall à 4 h du matin. C'est vous dire l'importance sociale de cette cantine. Oui, alors les années 80, c'était quand même très triste pour le conservatoire. Bon, à cette époque, je dirigeais le conservatoire de Boulogne qui avait été déménagé, qui était archi-moderne et tout ça. Puis quand je revenais ici, j'avais une sensation vraiment de tristesse infinie parce que c'était le Moyen-Âge au niveau des installations. On savait qu'on allait déménager tôt ou tard, donc on ne faisait plus rien. Le fait de la construction dans un lieu qui n'était pas très hospitalier, il faut dire la vérité, il y a eu évidemment 2 clans, c'est pas difficile à deviner, et là la réponse est courte, il y avait un clan très fort qui ne voulait pas sortir de la rue de Madrid en disant on aurait pu construire autre chose, on aurait pu démolir l'autre immeuble sur la rue d'Édimbourg et construire, c'était un clan qui était, oui, qui était très marqué, et puis il y avait beaucoup de gens, j'en faisais partie, nous étions très nombreux, heureusement, en disant mais qu'on nous sorte de là-dedans, nous avons des projets les uns les autres et nous n'arrivons pas à les faire parce qu'il n'y a pas de place. et que tout commence à s'écrouler. Qui plus est, le bâtiment n'était pas guère en bon état. J'avais une bonne réputation puisque j'avais déménagé le conservatoire de Boulogne. Et c'était déjà assez compliqué. Mais alors là, déménager le conservatoire de Paris avec tout ce qu'on avait accumulé de vieillerie. Le jour de la fête de la musique, qui venait d'être créée, on m'a chargé de conduire un char symbolique. Évidemment, comme souvent, il pleut le 21 juin. Moi, je n'ai pas eu à agir sur les plans, parce qu'ils étaient déjà faits, et quand, 2 mois après mon arrivée en novembre 86, on a posé la première pierre. Donc c'était Marc Bleus qui avait vu ça avec Christian de Porzenparc. J'ai eu à organiser, évidemment, le fonctionnement du futur conservatoire, et là il y avait un tel changement d'échelle, tellement d'administrations nouvelles, tellement de services nouveaux, comme l'audiovisuel, tout ce qu'on voulait faire, le département son qui s'est mis peu à peu en place, avec Michel Philippot, n'est-ce pas? La danse contemporaine, la danse était sinistrée, il fallait tout inventer, il n'y avait pas de danse contemporaine, c'était le bazar la danse avant. Et puis bien sûr, plein de choses comme ça, comment les nouvelles salles allaient fonctionner, il y avait d'un seul coup 3 salles publiques qui arrivaient, et mon travail a surtout été de prévoir une espèce de planification, si vous voulez, de montée en puissance, pour pouvoir, le jour J, avoir le personnel qu'il fallait et les professeurs supplémentaires qu'il fallait dans les volumes qu'il fallait. Bon, vous dire que c'est simple, non, je souhaite ça à personne, surtout pas à un musicien. Mais enfin bon, grâce à une équipe d'un dévouement, alors je dois dire absolu, d'une trentaine de personnes, je pense, qui ont chacune à leur place, on a réussi quand même pas trop mal ce déménagement, malgré quelques péripéties. Le Conservatoire National Supérieur de Musique fonctionnait rue de Madrid jusqu'à cette année. C'était incroyable que la plus grande école d'enseignement supérieur de la musique de France offre des conditions matérielles aussi médiocres. Et c'est pourquoi, avec François Mitterrand, nous avons décidé, voici 5 ans, de créer une véritable université de la musique. Et aujourd'hui, nous ouvrons cette université de la musique qui, naturellement, offre, vous le voyez vous-même, une belle architecture, mais aussi des moyens de travail nouveaux, pour le chant, pour la danse, pour les nouvelles technologies. J'espère un enseignement lui-même transformé, rénové, modernisé. Et notre ambition, c'est de faire que cette université de la musique soit un des grands pôles de la musique en Europe. J'ai passé un concours de musique de chambre au conservatoire à Avenue Jean Jaurès, mais qui était encore en chantier. On est arrivé à une salle où il y avait un jury. Et la salle elle était parfaite, malgré le fait que tout autour, c'était encore le bâtiment en travaux. Et quelqu'un, la pariteur, je crois, criait aux ouvriers « Arrêtez, ils vont jouer !» Alors, ils arrêtaient, nous on a joué notre sonate et après, il leur a dit c'est bon, et puis ils ont recommencé le temps que les groupes suivants arrivent. Du coup, c'était presque une alternance sonore poétique entre la sonate violon-piano qu'on a jouée et le marteau-piqueur qui enchaînait. On ne sait pas qui était le plus doué. De Pantin, si, je me souviens que c'était très agréable. Parce qu'évidemment, quand on sortait de ce catafalque, il y avait de l'espace, c'était clair, il y avait des grandes salles, il n'y avait plus le décor mortuaire, il n'y avait plus non plus, il n'y avait plus les tableaux en pierre, mais par contre, il y a une époque où il y a eu les bustes, quand vous avez débarqué là, qu'on a finalement enlevé, je crois complètement, c'est dommage, c'était pas mal les bustes dans le grand escalier, ça faisait un peu pyramide égyptienne, on avait l'impression de s'enfoncer vers les tombeaux. De l'extérieur, on peut vivre cette masse blanche comme quelque chose de très imposant. Ça, c'est une chose qui m'a été aussi beaucoup rapportée, notamment par des amis allemands, autrichiens, qui arrivent et qui voient ces plans d'eau, l'espèce de surgissement comme ça, blanc. C'est vrai que ça prend de la place et c'est assez... ça tient pas à l'écart, mais en tout cas, ça impose une sorte de respect, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la noblesse, quand même. Les circulations, elles ne sont pas feutrées, comme sont les couloirs de tous les conservatoires. Ce caractère assourdi, je l'ai concentré sur les sas. D'habitude, les salles de musique sont disposées le long de couloirs assourdis. Ici, chaque bâtiment est une enveloppe acoustique distincte, avec un sas d'entrée. Comme il y a de l'opaque et du transparent, j'ai établi les espaces sur une partition du sonore, de l'assourdi et de l'isolé. Lorsque les musiciens sortent de la concentration isolée et assourdie d'une salle de travail, ils se trouvent immédiatement dans un milieu vivant, où la lumière vient du ciel, où l'œil peut voir vers la ville, vers le parc, mais surtout où l'oreille soudain décompresse et perçoit des sons venus de loin. C'est tout l'intérêt de cette fragmentation en bâtiments séparés, car ils sont reliés par des lieux transparents qui rendent les circulations lumineuses, fluides et diversifiées. Je me souviens si très vite du sentiment d'ouverture d'un bâtiment un peu ludique, imprévisible, au moment où je le découvrais, avec des espaces perdus, des espaces qui se découvraient, la couleur, les salles qui n'étaient pas toutes pareilles. Ensuite, je me souviens aussi tout simplement de voir les danseurs, des fois s'exercer dans les couloirs. Ça, il n'y avait pas du tout ça à rue de Madrid. Donc l'idée d'un bâtiment qui vit, dont on sent un peu le poumon. En visitant, même la première fois, c'était loin d'être fini. Évidemment, ce qui frappait tout de suite, c'était d'abord un geste architectural très fort, des courbes, des choses contemporaines. Bien sûr, tout le monde m'a toujours dit qu'il y avait une âme dans l'ancien conservatoire. J'ai toujours entendu dire ça. Bon, il y avait un charme, moi, je dirais. Il avait un certain charme, parce qu'il était fait un peu de bric et de broc, entre les étages avec des panneaux en plastique comme murs et comme portes, le sous-sol et la partie basse du musée en bonne vieille pierre, le bâtiment lui-même. Enfin bon, on avait une affection pour ça, mais ce n'était pas si formidable et si réussi. Alors que là, le nouveau conservatoire, il a tout de suite son identité architecturale, visuelle. J'avais visité d'ailleurs le conservatoire encore inachevé et j'étais effaré, impressionné par le volume que ça représentait. La première réaction, c'était de dire « Mon Dieu, mais c'est génial, il va y avoir une place considérable ». En fait, il y a énormément de volume. Mais il n'y a pas tant de place que ça. Incontestablement, ce bâtiment ici, il est réussi d'une certaine manière. Et puis après, il y a toujours à discuter. Moi, je pense qu'on a, mais comme dans tous les bâtiments du monde, on a nos salles préférées, celles qui donnent un petit plus au son. On a des salles plus analytiques, ou alors certains élèves, par exemple, on va les faire travailler plutôt dans cette salle-là, parce que pour eux, ça va leur faire du bien d'avoir un son un petit peu analytique et moins flatteur. Voilà, après, il fait, c'est vrai, plus chaud au quatrième étage qu'au sous-sol, mais bon, finalement, peut-être rue de Madrid, c'est la même chose. La salle Rabot au mois de mai ou juin, c'était bon. Après, on aurait pu mettre la climatisation, c'est vrai. Oui, mais ça à propos de la climatisation, je me souviens, c'était la guerre avec les chanteurs qui ne voulaient pas entendre parler de climatisation. Donc, si on crève de chaud au quatrième maintenant, c'est à cause de... première fois que je suis rentrée au conservatoire, une fois que je l'ai eu, ça je m'en souviens. Au fil des années, finalement on se l'approprie un peu plus, il nous semble moins grand, on se déplace plus facilement dedans, on commence à connaître tous les petits coins, tous les escaliers de secours pour aller plus vite d'un endroit à l'autre. Et puis il y a un côté un peu plus familial aussi où finalement on se retrouve tous à la cafétéria, on se retrouve toujours entre les couloirs, on sait qu'à telle heure on va croiser un tel dans tel couloir parce qu'on aura cours en même temps. Mon souvenir rue de Madrid, c'était assez cloisonné, je ne connaissais pas le personnel. Au conservatoire de la Villette, de par la place de l'administration, premier, etc. Enfin, c'est plus central et on les croise. Quand on arrive, on peut, si on se rencontre avec des musiciens ou avec des chanteurs, et ben on se salue et puis les musiciens partent sur la gauche et nous on va un peu tout droit, on va sur la droite. Donc il y a moins cette espèce de fraternité qu'il y avait rue de Madrid. Et retire des blocs. Et hop. 3, 5, c'est bien. Il y a un bâtiment vraiment dense, c'est vraiment à part, toute l'infrastructure, toutes les surveillants, tout est vraiment séparé avec la musique. Et je pense que quand même les étudiants, enfin à mon époque parce que je suis retraité depuis quelque temps, je crois que tout de même les étudiants et de la danse et les étudiants musicaux se confrontent très souvent. Avec deux de mes camarades, nous étions à la cafette, à la cafétéria, et un musicien cherchait 3 danseurs. Donc il nous a demandé si on pouvait participer à son prix de composition. Et c'était vraiment une belle expérience également. On a pu faire justement des rencontres avec d'autres musiciens, d'autres personnes, de voir un petit peu comment se passaient les répétitions d'orchestre. Et c'était très enrichissant. Le conservatoire a été bâti à une époque où on entrait et au bout de 3 ans, on passait son prix. Donc il y avait un concours d'entrée, un concours de sortie. Aujourd'hui, on est dans le LMD, il y a, on va dire, 2 gros concours d'entrée, licence master, premier cycle master, et 2 concours de sortie, voire même un 3e cycle en doctorat ou un diplôme plus spécifique d'interprétation. Et de ce fait, ne serait-ce que par cet effet numérique, le conservatoire est déjà à l'étroit. Nous étions, je crois, prévus pour être 80 administratifs, il y en a 200. Donc évidemment, les espaces de l'administration ont grignoté les espaces pédagogiques. Et en même temps, j'avais envie, quand je suis arrivé ici, de créer de nouveaux enseignements, des choses qui me semblaient ne pas exister, ne pas être du coup totalement conformes au marché du travail, à ce qu'on attendait de la formation d'un musicien et d'un danseur. De ce fait, il a fallu rééquilibrer, mais rééquilibrer sans non plus léser ce qui existait déjà. Rien n'aurait été pire qu'un conservatoire qui mette d'un côté l'administration technique, les ressources, d'un autre l'administration pédagogique et d'un autre la pédagogie. Il faut que toutes ces personnes se rencontrent et soient connectées. Au début, on était un peu isolé et libre à la fois. C'est-à-dire, il y avait moins le lien avec une histoire un peu pesante, il y avait moins la proximité de la salle Pleyel. En fait, tout ça, c'était beaucoup plus simple et d'être près aussi de la halle de la Villette, du parc. Ça permettait même d'avoir une vie sociale tout près du conservatoire, de sortir, de passer du temps, de prendre le soleil, chose qui, rue de Madrid, c'était quasiment impossible. L'emplacement du conservatoire tel qu'il est maintenant sur le site de la Villette, il y a deux phénomènes en fait. Il est vrai que c'est totalement excentré par rapport au centre de Paris, et c'est vrai que la vie du jazz dans Paris, elle est plutôt du côté du Châtelet ou sur la rive gauche. Mais petit à petit, avec notamment aussi l'ouverture de la Cité de la Musique, la Philharmonie plus récemment, ça a mis une bonne dizaine d'années à ce que les passerelles et les portes fonctionnent, s'ouvrent véritablement. Avant, on était un peu chacun dans notre coin. Le jazz au deuxième sous-sol et le reste de la maison dans les étages. C'est inexorable. La musique improvisée, le jazz, la musique contemporaine, la musique classique, on est tous dans un même univers au jour d'aujourd'hui. Et le musicien qui n'irait pas dans ce sens-là, à mon avis, s'engagerait sur une mauvaise voie. On ne peut pas faire l'impasse de mentionner le travail de Pierre Boulez qui a conçu cette unité de lieu qui était de rapprocher à la fois, bon, il y avait déjà la Cité des Sciences, et ce projet de salle de concert et de mettre à côté le conservatoire, c'est-à-dire une unité qui permette, en faisant quelques centaines de mètres, d'avoir la musique vivante qui est jouée par les orchestres et la pédagogie, et un grand espace aussi derrière avec tout ce qui fait partie de la porte de Pantin. Donc on voit aujourd'hui, avec la création de la Philharmonie, que ce projet-là est né d'une très belle intuition et d'une persévérance qui a permis aujourd'hui aux étudiants d'aller écouter des concerts, d'aller jouer dans ces salles de concert, d'avoir vraiment un lieu vivant et interactif. La structure de l'enseignement musical dans le monde, elle est très variable d'un pays à l'autre. On a en Allemagne un pays qui est décentralisé avec des écoles qui prennent les élèves un petit peu avant nous, d'un niveau plus bas, mais qui les amènent au même niveau que nous en gros, qui d'ailleurs délivrent les mêmes diplômes que nous de premier, deuxième cycle, voire troisième cycle supérieur. Il y a en Italie, je veux dire, une logique très italienne, c'est-à-dire une absence de logique, mais avec d'immenses professeurs dans certains conservatoires. Il y a le système américain qui est beaucoup plus lié à l'université. Finalement, on se rend compte que les modèles ne sont pas transposables. Ce qui est important, ce n'est pas de trouver au Conservatoire de Paris un compromis entre tout ce qu'il y a de meilleur à droite et à gauche, c'est d'inciter nos élèves à aller voir ailleurs si l'air est différent, si on enseigne différemment. Je crois que le voyage et la mondialisation ont quelque chose de bon, c'est de se confronter à l'expérience de l'autre, pas pour se fondre dans ce qu'est l'autre, mais pour peut-être rentrer avec des convictions un peu plus fortes, encore plus fortes, sur ce que l'on est soi-même. À peine je suis arrivée au conservatoire, on est parti à Genève pour jouer le Vaisseau fantôme avec des élèves de Genève, de Lausanne. Du coup, dire que le conservatoire est un établissement fermé, ça ne correspond pas au parcours que j'ai eu ici. Dans notre formation, il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Parce que ça arrive très fréquemment qu'on soit appelé pour un stage. Donc les stages sont ponctuels, finalement c'est 3 jours à la Philharmonie, 3 jours sur une sonorisation dans une salle de concert. Donc en fait, on est souvent dehors, on a même des cours en extérieur, dans des salles de concert, dans des salles de spectacle, tout en gardant finalement ce cocon en fait, du conservatoire. J'ai commencé rue de Madrid comme professeur d'adage, à raison d'une fois par semaine. C'était un studio correct, qui n'était pas trop petit ni trop grand, il était à dimension humaine, mais il n'y avait qu'un seul studio. Donc si bien que les premières, deuxième, troisième années, on dispensait leurs cours à la ménagée de verre. Le matin, c'était les filles qui étaient à la ménagée de verre, et les garçons étaient le matin, je crois, aussi à la ménagée de verre, et on se retrouvait les troisième et quatrième années, rue de Madrid. Il n'y a pas un enseignement du conservatoire, mais il y a une tradition qui se nuance et se vivifie de la diversité des tempéraments. Elle s'extériorise à la classe de danse, dans le rude d'apprentissage de la danse classique. On a appris le déménagement de la rue de Madrid, un peu avec regret, je crois. Un peu avec regret, parce que c'était un petit peu notre enfant chéri. Pour parler de la danse contemporaine, elle est arrivée en même temps que l'ouverture du bâtiment. Quant à Rouillet, deux formations de danse contemporaine, a pris la direction des études, et il a, et c'était tout à fait, comment dire, dans l'air du temps, il fallait ouvrir les portes à la danse contemporaine. La première fois que j'ai vu le conservatoire, je l'ai vu de l'extérieur. Pour passer l'audition, j'avais pris une chambre d'hôtel au Mercure Hôtel, qui est presque juste en face. De ma chambre d'hôtel, en fait, de la fenêtre, je voyais les studios de danse, le 4e étage de danse. Et c'était marrant parce qu'à ce moment-là, il y avait un cours de danse classique garçon, technique garçon, et je voyais les garçons en train de sauter, faire la petite batterie et tout. Et je les enviais, j'avais vraiment envie d'aller les voir et d'être à leur place, quoi, en fait. Et j'ai passé l'audition, et quand j'ai vu mon nom sur la fiche, bah, j'y croyais pas sur le coup, c'était un rêve qui devenait réalité. Nous sommes en fait sur le plus gros campus de musiciens professionnels au monde. C'est une chose qu'on dit assez peu, mais dont on est assez fier. Il y a un certain nombre de formations permanentes à la Cité Philharmonie. Il y a au conservatoire un orchestre professionnel et puis un orchestre d'élèves. Et donc, évidemment, tous ces gens dialoguent, discutent. On fait ses études ici, on entre après l'orchestre de Paris qui est à 200 mètres d'ici. Il y a peu d'œuvres dans le répertoire qui exigent autant d'attention et de concentration. Il faut donc être formidablement... Et comme vous aurez probablement, pour certains d'entre vous, le trac mardi soir, donc je vous suggère de vous dire qu'il vaut mieux être prêt à 150% pour obtenir 80% que le contraire. Hein. 2, 3... Quand je suis arrivé au Conservatoire de Paris, il était quasiment neuf. Je n'étais pas encore élève quand il a été inauguré en 90. Mais j'avais le même sentiment d'un endroit qui était propre et donc un peu sans âme en même temps. On n'héritait pas, quand on rentrait en 93 au Conservatoire, du poids de l'histoire qui est qui est contenu dans certains murs. Plus tard, j'étais par exemple pensionnaire à la Villa Médicis. Il est évident que dès qu'on entre à la Villa, on a l'impression qu'il y a tous les fantômes de Berlioz, de Debussy et de Bizet qui viennent vous chatouiller le soir avant de dormir. Et dans ces murs neufs, on se dit, ben, il y a tout est à construire. Or, vous devez vous-même vous construire en tant que musicien. On m'a ouvert une fois la porte de l'œuvre d'art de Bolkonsky dans les sous-sols du conservatoire. J'étais en deuxième année quand j'ai découvert ça. Et je subissais un peu le côté dur du conservatoire de Paris, avec notamment des jurys qui étaient très exigeants. Du coup, j'ai découvert cette œuvre d'art, enfin une œuvre d'art très particulière, qui faisait presque mémorial du conservatoire de Paris, avec des photos de faux élèves ou de vrais élèves. J'ai jamais compris si c'était des vrais élèves qui, soi-disant, avaient raté les auditions d'entrée. C'est très étrange. Bien. Vous savez, nous, on a la pique du violoncelle. La pique du violoncelle, c'est historique. À une époque, d'ailleurs, on ne rentrait pas si on jouait avec la pique du violoncelle, au début du XXe siècle. Et maintenant, certaines salles ont été conçues pour ne plus qu'on plante la pique dans le parquet, qui est dur comme du béton. Et rue de Madrid, ma foi, il y avait les salles avec les trous des profs, les trous des élèves, et il y avait des trous béants, quelquefois. L'histoire, parfois, hurle avant même qu'on ait fait un son, voilà, on se sent déjà habité par un moment d'histoire.